Une alternative au bois de grange, avec les avantages sans les inconvénients? On vous montre ça. Vu le pinceau à teinture, comment ça s'étale bien, surtout avec du bois comme ça. Je suggère beaucoup plus de prendre un pinceau à teinture comme ça. Exactement comme ça. Bon, Kevin, quand vient le temps de faire du recouvrement, on peut utiliser beaucoup de produits. Exact. Nous, dans notre cas, maintenant, la nouvelle génération, c'est des imitations de bois de grange parce que le bois de grange, comme on sait, c'est un bois qui est encore vivant. On les rentre dans les maisons. Un coup qui prend le taux de l'humidité de la maison, tout rouvre. C'est pour ça qu'on peignait en noir. Là, maintenant, on a des produits qui sont beaucoup plus stables. Ici, c'est fait, c'est des panneaux de presswood qu'on s'en vient clouer. On va se mettre un contreplaqué en arrière, si on peut. Sinon, c'est directement sur le gypse, mais quand on a la chance de le faire, on se met un contreplaqué pour avoir une surface d'appui et un fond de clouage qui est vraiment stable. Au niveau de l'installation? C'est comme un plancher flottant. Tu le laisses dans la maison, tu le laisses acclimater environ 48 heures pour qu'il prenne le taux d'humidité de la maison. Et ensuite, de tout ça, on peut l'installer. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Ruban à mesurer, pistolet à air 18 gauge. Ici? Et de la colle. Donc, okay. On commence tout ça? On commence ça. Là, pour installer de la colle, on est prêt à le poser, mais avant de le poser, il faut vraiment bien se mettre au niveau avec le mur. Exactement. Donc j'installe la planche. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais mettre un clou en bas. Là, je veux juste que tu te tasses un petit peu ici. Là, je suis dessus. Je le cloue. Parfait. Donc, c'est une alternative qui est intéressante au bois de grange. On l'a dans différentes imprimés ou essences d'imprimés de bois. Exact. Parce qu'on s'entend, ici, c'est blanc, l'autre est brun. L'entretien, ça ressemble à quoi? C'est lavable avec un savon doux, parce qu'on ne veut pas détériorer la matière et on ne veut pas effacer l'imprimé. Super, beau travail. Super. Quand est-ce qu'on se fait un verre? On n'est pas rendu là. Kevin, tu me vois-tu? Non, mais je cherche quelque chose de beau. Je détecte absolument rien de bon.